Le REPAD, entendez le réseau des médias pour la paix et le développement, est une nouvelle plateforme des journalistes visant désormais à s'inscrire dans la promotion de la paix et du développement. Son assemblée générale constitutive s'est tenue le vendredi 6 septembre 2019 à la Riviera Bonoumé à Cocody. Organisée sous la présidence du ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Touré, et sous le parrainage de M. Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, c'est M. Junior Décassan du quotidien Notre Voix qui a été désigné par les journalistes comme le premier président pour conduire les destinées du réseau. M. Konan Koffi, représentant le président de la cérémonie, a félicité l'initiative. Il a par ailleurs traduit l'enthousiasme du ministre Sidi Touré d'accompagner l'initiative pour son objectif de promotion de la paix et du développement. Je viens vous dire que le ministre est vraiment favorable. Je souhaite qu'au sortir de cette assemblée, vous nous transmettiez dans les meilleurs délais les résolutions prises de cette, de sorte qu'ensemble, nous examinions les modalités de leur mise en œuvre. De son côté, M. Alafé Wakili, journaliste, invité spécial et autorité morale du REPAD, a dit qu'il n'y a pas de médias sans la paix et le développement. Mais il peut y avoir la paix sans médias, a-t-il dit avant de prodiguer des conseils aux initiateurs du projet. C'est-à-dire qu'on peut arriver à une situation où des dirigeants peuvent dire pour avoir la paix, il faut tout censurer, il faut tout bloquer, on ne veut pas de médias parce que les médias c'est des emmerdeurs. C'est-à-dire, donc je retiens pour dire, il n'y a pas de médias sans paix, il n'y a pas de médias sans développement. C'est-à-dire, s'il y a la guerre dans un pays, s'il n'y a pas de stabilité, s'il y a le désordre, on n'a pas le temps de faire des médias, sauf peut-être à faire des médias comme des instruments de propagande et de haine. Et je pense que ce n'est pas ça la vocation des médias, parce qu'il n'y aura pas de sérénité, pour pouvoir faire le travail, les médias deviendront des instruments de combat comme un avion, comme un char, comme un revolver. Et je pense que telle n'est pas la vocation des médias. On construit des armes, on fabrique des armes, on produit des armes pour faire la guerre. On ne fait pas les médias pour faire la guerre. Donc lorsqu'on est dans une situation de non-paix et que les médias deviennent des instruments pour faire la guerre, ça veut dire que leur vocation a été ratée. Le président du comité d'organisation, M. Nando Dapa, Paul Arnaud, a expliqué l'opportunité du REPAD dans un univers de plusieurs associations de presse. Mais aussi comment, en dépit des lignes éditoriales souvent pro-parti politique, le journaliste peut orienter sa plume sans compromettre le climat social. Le REPAD, un nouveau réseau dans l'écosystème des médias, vous demandez est-ce que ce n'est pas de trop? Je dirais non. Je dirais non parce que, vous savez, l'écosystème des médias est vaste. Il est vaste et renferme plusieurs secteurs. Aujourd'hui, il est question de la paix et du développement. Je ne sais pas si dans notre écosystème, il y a déjà un réseau qui milite dans le sens de la paix et du développement. Je pense que non. Alors, le REPAD vient pour combler un vide. Le REPAD intervient dans un contexte, j'allais dire, exceptionnel et spécial. Vous convenez avec moi que notre pays a vécu des moments difficiles, notamment la crise électorale de 2010. Avec son corollaire de mort, de perte en vies humaines et de dégâts matériels. Nous qui sommes journalistes, qui sommes, j'allais dire, témoins de l'histoire, nous devons prendre conscience. Et donc c'est vu cela que nous avons pensé qu'il faut asseoir ce réseau pour créer cette plateforme. Il y a plusieurs organes de presse, il y a plusieurs lignes éditoriales et chaque journal y va de sa ligne éditoriale. Est-ce que parce que nous avons plusieurs lignes éditoriales que nous n'aspirons pas à la paix? Si la paix sociale est menacée, que valent donc nos lignes éditoriales? Le tout nouveau président du REPAD, M. Junior Décassan, a salué ses confrères pour la confiance.
Il a présenté dans son premier discours aux membres de la structure la feuille de route de sa gestion. Maintenant, il y a un bureau, au niveau du bureau, dans le sens d'une meilleure articulation de nos structures, d'une meilleure élaboration de ses objectifs. Et puis, s'il y a des idées que nous trouvons généreuses, nous allons la soumettre à l'Assemblée et nous allons l'adopter. Notamment, je pense un peu à ce que disait tout à l'heure le DG de l'intelligent qui a fait l'exposé introductif, qui nous a dit de voir dans quelle mesure une structure qui sera beaucoup plus inclusive, donc avec des activités transversales, peut être mis sur pied. Donc nous allons y réfléchir pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut créer de sorte à prendre en compte toutes ces préoccupations. Il est bon de préciser que plusieurs journalistes ont pris part à cette première rencontre officielle du REPAD.